Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve au cœur de Manhattan pour continuer notre aventure sur Spider-Man 2, évidemment. 4K 60 FPS. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le commentaire et le like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est parti, let's go pour la suite de notre aventure avec cette fois-ci Peter Parker et non Miles Morales. Je suis là, tenez-moi. Ça va? Mieux. Merci. Y'a pas de souci, mon pote. Tout le plaisir est pour toi. Le capitaine a besoin d'aide. Ah là là, ils peuvent pas s'en sortir sans moi. Le capitaine de quoi encore, les gars, là? Vous avez une minute? Le commissariat d'à côté nous a appelé, mais ça a coupé. Faut qu'on passe pour faire le triage. Mec, t'es en train de parler à travers la vitre. C'est quoi ton super pouvoir? Ok, allez, c'est parti. Vas-y, tu peux passer, mon grand, on va sauver les citoyens. Ça a marché. Monsieur Parker, j'ai besoin de votre aide pour remettre l'appli en ligne. Je fais quoi? Allez sur le toit du bâtiment, sur Worth et Lafayette. On fait quoi? Ça va prendre des heures avant qu'ils rétablissent le réseau de télécommunications, donc on va créer le nôtre. C'est un très gros coup! Depuis quand tu planifies tout ça? Eh bien, j'en rêve depuis le collège. Mais la planification, 2 minutes, je dirais. Ok! Ça y est, on reprend nos petites habitudes, les gars, ça fait plaisir de fou! Il va y avoir un lanceur. Ça fait plaisir de fou. C'est quoi tous ces trucs? C'est l'étude environnementale d'une jeune start-up. Le lanceur, c'est pour leur sonde météo haute altitude. Et la start-up, elle a donné son autorisation? Oui, j'ai vu ça avec le Big Boss. Un type charmant. Il était content de pouvoir aider Spider-Man. Ok, dis-moi ce que je dois faire. Vous avez toujours une imprimante 3D dans vos lance-toiles. Il faudrait que vous fabriquiez un truc. Je vous ai envoyé le plan. Non mais attendez les gars, on dirait un lanceur nucléaire, le truc. Ça ressemble à un drone. On espionne pas les gens, Ganky. Oh non, il faut leur consentement. Quand les New Yorkais envoient un message sur l'appli, ça les redirige sur ces drones. J'appelle ça des antennes mobiles d'information. Ce qui donne AMI. Je viens de me faire un ami. Ouais. J'étais déjà cool au collège. Ok, et maintenant? Comment on fait voler ce truc? Il y a un tas de signaux antagonistes. Il faut suivre le chemin que j'ai marqué sur la lentille. On aura un meilleur signal. Attendez les frères. J'ai une imprimante 3D dans la main là, les gars. C'est ça? Waouh. 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 Ok. Très bien, c'est bon, on arrive à suivre. Le réseau local devrait marcher. J'envoie une notif générale. Les signalements vont arriver d'une minute à l'autre. On a réussi! Il est temps de s'y remettre. Ok. Alors, est-ce que Manhattan va rester de sable ou on va voir Manhattan un peu évoluer? Ça pourrait être incroyable, hein. Bon, les amis, ça y est, il est sorti. Spider-Man 2, les gars, qu'est-ce qu'on l'a attendu? On va ouvrir l'arbre de compétences! Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes passé au niveau supérieur et vous avez gagné un point de compétence. Utilisez vos points de compétence pour apprendre de nouvelles attaques et de nouvelles techniques. Évidemment, l'arbre de compétences partagé recense les compétences qui s'appliquent aux deux héros. Très bien. Chaque héros a également son arbre de compétences unique, navigué jusqu'à celui de Peter, avec L2 et R2. La Spider Volée est sélectionnée. Cette attaque permet d'envoyer plusieurs ennemis en l'air pour les affronter en combat aérien. Utilisez, voilà, votre point de compétence, c'est L1 et Croix, vous l'aurez compris. Allez, on doit l'acheter, de toute façon, pas trop faire le choix. Vous avez acheté la Spider Volée, gagné de l'expérience, passé au niveau supérieur et cumulé des points de compétence en terminant des missions. Très bien ça, les amis. Évidemment, j'ai déjà plus de points de compétence, donc ça, c'est relativement... Voilà, un signal. Ah mon Dieu, vient d'arriver. Des criminels. Ah oui, on s'est parti. Vous avez besoin d'un héros? Recule encore. Vas-y, encore. On a largement le temps. Comme les flics sont occupés avec tout ce sable, on va dévaliser cet endroit. Allez, on charge! Mais pourquoi tu dis ton plan à voix haute? Ok les gars, qu'est-ce qui se passe, il embrouille?
Allez, let's go. Hop, ça c'est pris. Ok. Ok. Allez, let's go. Ça, c'est fait. Je vais pas me prendre des patates comme ça. Wow, il tire sur ses potes, le mec. Okay. Très bien. Aïe, coup de crosse. Mais c'était combien, frère, dans ce camion? On est où, là? C'est pas possible. Nombreux. Allez, que la ville soit recouverte de sable. 200 XP et de la pièce high-tech, évidemment. D'autres arrivent. On va les réceptionner. À la Spider-Man. Oh, stopper les crimes pour obtenir des pièces high-tech. Utiliser ces dernières pour fabriquer de puissantes améliorations, évidemment. Très bien. Naviguer jusqu'au gadget dégommeur. Utiliser vos pièces high-tech. Et ça sert à quoi, ça? Suspendez plusieurs ennemis dans les airs pour les rendre vulnérables aux combos aériens. Oh. On va le fabriquer parce que de toute façon, on n'a pas le choix. R1 triangle. Là. Très bien. Ça débarque en gros, gros gamos, là. Tu nous déranges. Ouais, c'est l'un de mes super pouvoirs. Ok, c'est parti. Les gars, mon appli est toujours HS. Je sais, j'essaie d'innover. Laissez-moi une minute, je vous rappelle. Eh ben... Oh là là, et par contre tu te prends ça, frérot, t'es mort dans le film. Wouh, il a tiré sur son pote, Miskin. Je suis pas énervé, Mike, je suis concentré. Ouais, ma mère dit ça aussi quand elle est énervée. Ok. On se connaît depuis longtemps. Franchement, tu m'as déjà vu m'énerver? Laisse-moi réfléchir. C'était une question rhétorique. Je sais. La fois où on jouait à un jeu de société chez toi, t'as arrêté de perdre. J'étais pas énervé contre toi, mais contre tout l'univers. Allez, let's go. Ok. Bon, la nouvelle appli compile. Tant qu'à faire, je me suis dit autant lui donner un coup de neuf. Pas besoin de faire compliqué, hein. C'est juste pour voir les demandes des citoyens. Carrément. Pendant que le patch s'installe, faut élargir le réseau. Appelons d'abord Miles. Ok. Et là, on passe directement à Miles. Mais c'est trop bien. Par ici. Elle avait du mal à respirer. C'est trop bien. Miles, t'es dispo? Ah, les transitions, ça va être incroyable. Sur le toit du bâtiment à côté. Ok. Allez, on se bourbille. J'peux... Ah, je suis sûr que ça, on peut l'améliorer pour que ça soit encore plus incroyable. Eh, hey, t'avais l'air stressé tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est juste que j'ai plein de trucs à faire. J'ai faim et en plus, il n'y a plus que des crackers sans sel dans le distributeur. Ah ouais, ça craint. Je m'en remettrai. Eh, hey, je suis enfin sur la mise à jour de l'appli dont je t'ai parlé. Grâce à un coup de main de mes amis. Ouais, c'est un jeu de mots. Enfin, tu peux pas encore comprendre, hein. Mais ça va pas tarder. Ok. Bon, ça sert à rien de faire vraiment des vues plongeantes, étant donné que, regardez les amis, on n'est pas assez haut. Pas le plus, c'est impressionnant, vous l'aurez compris. Allez, on va grimper tout là-haut. On dirait pas là où il y a le Weasel News. Ok. Très bien. Ok, j'y suis. Allez, qu'est-ce qui se passe dans les parages? Je vois rien qui ressemble à un lanceur. Peut-être qu'il est sous le sable. Faire disparaître le tas de sable. Ok. Il est là, le tas de sable. Enfin, comment je souffle, mon frère? Ou c'est comment? Ah, comme ça. Évidemment, l'eau. Un classique. Ok, voilà, je vois le lanceur. Je fais quoi? Tu vas imprimer un ami. Encore. Ça y est, j'ai compris. AMI, ami.
Laisse-moi deviner. Appareil mobile d'interconnexion ? Presque. En fait, peu importe. Mais sache que les signaux sont traités par corrélation spatiale et temporelle. Des calculs à distance. T'es un génie, Genki. Oh, arrête. J'ai marqué un itinéraire pour optimiser la stabilité du réseau. Si tu le suis, on aura un meilleur signal. Je commence à connaître. Let's go! C'est de plus en plus dur. Qu'est-ce que c'est? Ok, le réseau local est connecté. Et ben voilà. Nouveau crime signalé. Oh non, des criminels! J'y vais. Ok, je m'en occupe, les gars. Oh, la fameuse église. Ils ont dit que Spider-Man était au club de tir. Faut se manier avant qu'il arrive. Coucou. Besoin d'aide? Appuie rapidement sur R1 pour lancer lance-toile. Vous avez perdu vos clés? Il y a un serrurier un peu plus haut. Vous êtes combien pour un seul fourgon blindé? Ah, on est d'accord. Gérer, non? Je posais la même question. Au lieu de voler, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, m'aider à sauver des gens. Il va faire quelque chose. Ok. Réalisez l'esquive parfaite lorsque votre sens d'araignée devient rouge pour esquiver et lancer automatiquement une toile. Superbe ça. Et maintenant. Miro, au final. Et toi? Si. Je suis dans le centre, jette Gloria au plus. Oh, est-ce que tu as vu Monsieur Sumida? Non. Est-ce qu'on a dit? Ok, on va essayer de faire que c'est du perfect. Qui va te faire rentrer à la fin. En termes d'esquive. M'en occuper, man. Promis. Faut que j'y aille. Si du moins j'en ai l'occasion. Apparemment j'ai l'air beaucoup trop chaud pour eux. Oh, putain, je l'ai collé. Je l'ai scotché. Allez dans sa gueule. C'est pas bon. Eh les frères, c'est pas. C'est le braco du siècle là que vous aviez prévu. Oh lui il est balèze. Oh lui. Lui mange bien la cantine, hein, mon petit père. Parer juste avant d'être touché pour une attaque au corps à corps pourrait tout dire l'ennemi. Très bien. Oh oui. Ok. Dire que je devrais être en cours physique, en train d'apprendre des équations à pour des situations théoriques. Très bien. Ouais, je crois que je préfère la physique appliquée. Ok. Ça, c'est beau, ça. Tirez sur l'araignée. Mauvaise idée. Pourquoi tu peux... Oh là là, ce montage en l'air! Ouais, y'a quoi les gars, y'a embrouille ou quoi? Ok, l'appli est enfin à jour. Jette un œil. Bien! C'est parti. Ouh, pas mal! Y'a une nouvelle requête. Très bien. Là, ils nous apprennent à faire les quêtes secondaires. Excusez-moi, je sais plus parler. Au boulot sur l'appli. Ça va aider plein de gens, ça. Merci. Nice. Occupe-toi de ces requêtes et retourne. Tout va bien. Ok, il y a un feu là. Je comprends. Spider-Man, au secours! Ok les amis, vous inquiétez pas, je gère. Hop! On va faire effondrer le bâtiment. Un cristal? Je vais aller voir. Oh oui, c'est un beau. Putain, c'est un beau cristal ça, hein. Comment c'est possible? T'es toujours là, Marco? Miles, PMJ, je viens en nouvelle. Je crois que je me bats encore contre l'homme sable. Il s'est déjà échappé? Non, je suis au raft. Il est juste devant moi. Il y a quelque chose qui me dérange. Tiens bon, je vais aller parler à ses médecins. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ok, là vous m'avez saoulé. Allez, c'est terminé. Ok, j'ai parlé à ces médecins. Il y a un genre de cristal de sable près de toi? Oui. Ok, les médecins m'ont dit que l'esprit de Marco était... Il a littéralement éclaté en morceaux. Flippant! Et pourquoi ces mecs de sable en ont après moi? C'est sûrement des morceaux de son inconscient qui cherche à protéger ce qu'il y a dans le sable. Écoute ça, c'est un truc. Si tu retrouves tous les morceaux, ils disent que ça pourrait peut-être réparer son esprit. Eh ben, ça a pas l'air simple, la vie d'un homme sable. Ok. Alors ça, on va lui casser la gueule, je suppose, c'est ça? Qu'est-ce que ton inconscient voulait protéger? J'étais avec toi. Et l'instant d'après, j'étais plus là. Un cristal qui parle. Ok. Comme c'est bizarre. Ça a l'air d'un petit personne. On dirait qu'il un souvenir de Marco. MJ a dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville. Ok. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Et ça fait des jetons de ville, effectivement. Hey, tu veux t'occuper de la dernière requête? Une histoire de VIP coincée dans une limousine. Ok. J'ai encore du pain sur la planche. Allez, je gère. C'est parti. Ganki, Monsieur Sumida est toujours là? Oui, il est avec Ailey en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais. Là, le Delta Plane, par contre, ça c'est incroyable. Hein. Oh, c'est incroyable. Hey, approchez pas de cette limousine. C'est l'araignée, tuez-le. Ok. Non mais il y a trop de combos déjà là. C'est déjà pas cool. Mais des paparazzis armés. Il y a déjà beaucoup trop de combos les gars. Ce que vous faites là, c'est pas joli. Ok, mort. Pourquoi vous pouvez pas les laisser vivre? Ok, j'ai compris tout le jeu les gars. J'ai compris le système de combos. C'est trop bien expliqué. En fait, si vous voyez, les 4 icônes en bas à gauche représente le si je reste appuyé sur L1, triangle, carré, rond, croix, et les 4 icônes en bas à droite, donc à côté de la map, représentent si je reste appuyé sur L1, triangle, carré, rond, croix, évidemment. Donc ça, c'est super cool de souvenir. De souvenir, il n'y avait pas ça. Je dois faire quoi, moi, les gars? Ah, de souvenir, il n'y avait pas ça. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces belles petites choses. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a quelqu'un là-dedans, Jean? Dans la limousine? Il était posé. L'hôpital. Oh non, Jameson. J'ai Jonah Jameson. Je dois prévenir Spider-Man. Le journaliste qui a toujours détesté Spider-Man. Jameson, je vous emmène à l'hôpital. Spider-Man. Faut que tu viennes voir qui est notre VIP mystère. Ce suspense est insoutenable. Je ferme une porte d'incendie et j'arrive. Monsieur Jameson, c'est Spider-Man. Vous m'entendez? J'arrive! Sur ta gauche! Hé, hey, Spider-Man! Regarde qui c'est! Ah, où est-ce que... Spider-Man! Jonah, mon petit rayon de soleil! Tout va bien? Au secours! C'est un kidnapping! Hein? Mais non, j'essaie de vous sauver, là! Que quelqu'un prenne une photo! Des criminels masqués kidnappent un célèbre journaliste! Ce bon vieux Jimmy. Soyez plus sympa avec le docteur. Allez, on est bientôt arrivés à l'hôpital, les gars. Oh, mort. Kidnappé! J'étais pas consentant! Ah non! Aïe! Des dangers publics! Voilà ce que vous êtes, des dangers publics! Mais J. Jonah Jameson se laissera pas faire, vous entendez? Je me laisserai pas faire! Hé, vous faites quoi, vous? Oh, où est-ce que vous m'emmenez? Oh. Monsieur Parker, où êtes-vous? Principal Evans, bonjour. Oui, c'est moi, Peter Parker. Je suis désolé,
J'ai eu une urgence et je vous jure que j'arrive tout de suite. Vous avez intérêt à être là dans 10 secondes, si... Oh non, je passe sous... Tout à l'heure. Oh, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Où est Monsieur Sumida ? Ah, et il vient de partir. En vacances, il me semble, si j'ai bien compris. Quoi ? C'est incroyable, Hailey. Et aussi, pendant que t'étais occupée, j'ai appris que... j'avais... obtenu la bourse Rand. Non, tu rigoles ? Je te jure. Attends, mais c'est de la folie ! Oh. Grosse journée pour tout le monde. J'ai vraiment tout loupé. Oh non, je veux pas voir ça. Et en même temps, c'est plus fort que moi. Principal Evans. Bah alors, regardez qui nous rend visite aujourd'hui. Je sais, j'ai pas fait bonne impression. Ça c'est sûr. Je suis désolé. Ouais, vous pouvez l'être. Oui, je sais. Mais cette attitude est inadmissible. Ça se reproduira plus jamais. J'en ai plus que marre. Non, attendez. Vous n'avez plus d'excuses. Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner. Vous êtes viré. Eh ben, être Spider-Man, c'est pas évident, si tu veux garder un taf. Mais non, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Allez, chaque chose Salut. En son temps. Je suis désolé pour ton boulot. C'était pas le pire. Regardez les amis. Attendez. Tu crois que je peux mettre ça sur mon CV ? Ok, écoute. Ils sont en recherche de photos au New York Bulletin. Regardez la circulation. D'ailleurs, hier, j'en ai envoyé une. Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça. C'est le journal de Robbie Robertson ? On a travaillé ensemble au Bugle. Je crois que je sais ce qui lui plairait. Merci, Miles. Y a pas de quoi. Je lui enverrai peut-être d'autres photos aussi, si j'ai le temps. Robbie disait toujours... Je veux pas voir la ville, je veux voir New York. Vous avez vu le monde qu'il y a ? C'est pas trop bien ? Allez, on est parti. Ah non, mais là, il y a beaucoup plus de densité dans les rues. Ça fait plaisir de ouf. Je sais que ça fait débat, il y en a plein qui parlent, évidemment, qui disent que... Les gars, c'est Spider-Man, les frères, en fait. C'est... On peut pas faire autre chose que Manhattan, on peut pas faire autre chose qu'un New York parfaitement refait. Forcément, les ajouts, ça va jouer sur la densité, sur la qualité, sur la beauté, sur les mises à jour par rapport à ce qui se passe vraiment en ce moment même, par exemple, à New York. Donc voilà quoi, hein, c'est compliqué de faire mieux. C'est beau, ça. Ok. Oh, je peux prendre une petite photo ? Ok. Et ben go, non, je sais pas. Non, je suis... Et voilà, plus qu'à envoyer et... Peter, comment vas-tu, mon garçon ? Salut, Robby. Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal. Magnifique. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Il faut que je file, j'ai une réunion. Mais si tu trouves l'essence de la vie new-yorkaise ailleurs, contacte-moi. Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. À moi aussi, Robby. Merci. Ok. Votre progression par quartier a avancé, car vous avez empêché des crimes et terminé des activités dans Little Odessa. Très bien. La carte recense et indique les activités des 14 quartiers de New York au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. Très bien, chaque quartier possède donc 3 paliers de récompense. Le second palier de récompense vous permet d'utiliser le voyage rapide. Sélectionnez un quartier... Pour voir votre progression, vous l'aurez compris, explorez la ville pour découvrir les activités à proximité et les ajouter. Donc là, c'est des endroits de photos. Waouh, j'ai l'impression que c'est Manhattan, hein, mais c'est...
c'est plus grand encore que le premier, non? Donc ça, c'est Manhattan, hein. Évidemment, c'est l'île, vous l'aurez compris. Ok, on a un crime là-bas, on a une petite photo ici. À la limite, pourquoi pas faire la photo? Oh, Sukhoi. Ok. Et ensuite, je fais quoi, les gars? Je me tiens à l'écart de Times Square. Hop, dans ta gueule. Ça, je ne comprends pas. Attends. Comment sort l'appareil photo? J'arrive, il y a une agression. J'arrive, les gars, ils peuvent attendre. Là, il y a plus important, je dois faire une photo. Comment on fait une photo? Voilà, c'est la question principale que tout le monde se pose. Hop, dans ta gueule. Ok. Eh ben écoutez, pour l'instant, je ne sais toujours pas faire de photo. Ah, c'est bon, j'ai. Très bien. Prendre une photo. C'est parfait. Eh ben voilà. Superbe. Superbe. Ma grand-mère me racontait ses promenades là-bas. Elle empruntait le pont tous les dimanches pour aller chercher les meilleurs légumes de la ville. Un jour, elle est arrivée plus tard que d'habitude et n'a pas pu acheter de tomates. Car l'homme devant elle venait d'acheter les dernières. C'est comme ça qu'elle a rencontré son grand-père. Ah, c'est une très belle histoire, mine de rien. Ok, on a un fourgon blindé, les gars. Alerte de catégorie 8. Qu'est-ce qui se passe encore là-dedans? Regardez qui était dans le quartier. Allez. Okay. Ah mais y'a Miles. Mais wesh. Oh wow. Ok. Attends, Miles, tu tapes à côté, mon frère. Ok. Merci. On devrait partir en tournée, un de ces quatre. Ce sera enfin l'occasion de plancher sur une speeder mobile. Très bon, ça. Bon, par contre, il y a des pouvoirs que j'ai pas et ça me fout le seum. On va passer par ici. Bonsoir, les gars. Bon, les amis. On a un point de compétence à se mettre. 3 points de compétence à se mettre. Ça, c'est qui? Ça, c'est les deux. Voilà, donc. Au sol, maintenez L2 croix pour charger votre capacité de tir lance-pierre. Très bien. L2 croix, faudra pas oublier. Achat impossible. Très bien. Est-ce que par hasard... Je peux pas me faire plaisir avec Miles pour l'instant. On va essayer d'équilibrer tous les personnages, vous l'aurez compris. Très bien. Et ça, il me faut des pièces high-tech. Écoutez, on est pas mal. Un dernier petit crime. Vas-y, un dernier petit crime. Parce que nous, on est quand même des super-héros. Dans tous les plis. Il est peut-être temps que je me change. Ok. Ah, c'est bon, c'est pour dire que la prochaine mission est disponible. Ok. J'ai oublié la technique du lance-pierre. Je suis pas sûr que cette vente soit bien légale. Ça, c'est le meilleur cas. Ça m'envoie pas dans l'espace. Je reviens de faire ta fête. Là-bas, Spider-Man. Désolé d'interrompre la transaction, mais... Non, je m'en fiche. Ok. Donc là, c'était quoi? Ça vendait du shit, là? Des petites racailles new-yorkaises. Voilà, toi, ça va pas trop nous aider si tu restes dans ta toile. Tu vas nous balancer ce truc. Allez. Ouais, toi, tu me connais bien, toi. On est dans la caisse, vite. Il a failli monter. Il a failli monter le thug. Ils doivent pas filer.
Ok. Ça ressemble au cristaux de mémoire de Marco dont Miles parlait. Je devrais aller voir. Et ben parfait! Il y a un petit cristal à se faire. On va se régaler là, bordel. On se régale beaucoup trop déjà. Ok. On se régale beaucoup trop, c'est moi qui te le dis. D'accord, dès qu'il y a un petit peu de sable, superbe ça. Yo les gars, c'est quoi l'embrouille là? Ok. Toi, t'es mort. J'ai dit. T'es mort. Ok. Aïe. Hop, ça, on prend. Voilà. Oh là 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 là, ça devient instinctif, c'est incroyable. Ok. Hop, toi tu la fermes et viens par ici. C'est terminé. Voilà, ici on finit en beauté, mon petit pote. Allez, ça c'est fait. Quelqu'un nous observe, Kinyan. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Marco se sentait surveillé par quelqu'un. Et qui c'est ce Kinyan? Et ben voilà, les amis. Eh. C'est beau ou c'est pas beau, les petits pères? Moi, je pense que c'est beau. Moi, je pense que c'est beau. Allez, on va s'arrêter là, parce que sinon, je vais faire des crimes toute la soirée, les gars, tout l'épisode. Ça risque d'être terrible. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. A très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Évidemment, j'ai un peu de sable sur moi. Bisous tout le monde. Bye bye.